Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes, vous allez voir, qui est vraiment très bien. Donc vous prenez un jeu de 52 cartes, vous pouvez le sortir de l'étui sans problème. Et vous allez expliquer à votre spectateur que il va devoir couper le nombre de fois qu'il veut, d'accord? Il devra compléter les coupes à chaque fois et il devra retourner la carte qui arrive sur le dessus et de l'insérer à peu près dans le milieu du jeu, d'accord? Donc c'est parti, donc il coupe le jeu le nombre de fois qu'il désire, il complète les coupes. Et au bout d'un moment, il va s'arrêter et regarder la carte du dessus. La carte change à chaque fois. Il s'arrête ici. Donc il regarde la carte. Il tombe sur le valet de cœur. Vous pouvez très bien regarder la carte. C'est pas très grave si vous la voyez. Ça n'a aucune importance. Et vous lui dites de la remettre à peu près dans le milieu du jeu. Donc il va la remettre à peu près dans le milieu du jeu. Ici. Et vous lui dites, est-ce que vous pensez connaître, savoir la position de la carte, le valet de cœur? Donc vous lui laissez répondre, il va vous dire un chiffre, n'importe quel, et vous lui dites non, vous n'étiez pas très loin, mais moi je connais exactement la position, c'est normal, c'est moi le magicien. Et je pense que votre carte est en 18e position. Et là vous lui donnez les cartes en main, et vous lui demandez qu'il les dépose une à une face visible sur la table. Donc ça c'est très important, pour voir qu'il n'y a pas d'autres valets de cœur, d'accord? Donc il y compte 18, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, j'avais dit 18, le valet de cœur, et on est bien sur le valet de cœur en 18e position. Donc voilà pour ce super tour, franchement génial. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Et donc on va passer à l'explication de ce tour. Donc comment cette carte arrive-t-elle en 18e position? Donc tout simplement, vous allez faire un montage. Ici, si vous regardez le ruban, ça commence à l'as et ça finit au 3 de pique. D'accord? Nous avons 18 cartes ici. As, 2 de cœur, 4 de cœur. C'est rangé aléatoirement. Et là, si vous remarquez, après le 3 de pique, qu'est-ce que j'ai? L'as de cœur, le 2 de cœur, 4 de pique. Les cartes se répètent. Ici, après le 3 de pique, encore, j'ai le 3 de pique ici. Ça se répète, As de cœur, 2 de cœur, 4 de cœur. Ce qui veut dire que ici, j'ai 18 cartes répétées 3 fois. Ce sont les mêmes 18 cartes répétées 3 fois, tout simplement. Donc vous prenez 18 cartes, celles que vous voulez, et vous faites ça 3 fois. Vous les reprenez 3 fois. Donc moi, si vous voulez voir ce que j'ai fait, eh ben, je vous montre. Donc moi, j'ai pris, ça m'a pris un peu de temps. J'ai pris un peu de pique, un peu de cœur, un peu de trèfle, un peu de carreau. Et j'essaie d'arranger à peu près comme ceci. Donc là, j'ai l'as de cœur, le 2 de cœur, le 4 de pique, dame de carreau, 10 de trèfle, 6 de cœur, dame de pique, roi de pique, valet de cœur, 5 de trèfle, 8 de pique, 10 de carreau, as de pique, roi de cœur, 2 trèfle, 8 de carreau, 7 de carreau, 3 de pique. Quand on regarde comme ça, l'arrangement est pas mal, je trouve. Voilà. Donc vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire comme moi, il n'y a pas de souci. Et donc vous répétez ça, ce montage. Bah, 3 fois, comme je vous ai dit. Donc mon repère c'est l'as de cœur et la fin c'est le 3 de pique. Vous avez 3 fois les mêmes montages. D'accord? Donc vous les rangez les uns sur les autres. Ici. Et donc grâce à ce montage, vous allez voir, peu importe où le spectateur va couper et s'arrêter, la carte du dessus, ici, quand il va la remettre au milieu, elle sera en 18e position. Voilà, c'est automatique. Et donc, vous expliquez à votre spectateur qu'il va devoir couper, compléter les coupes, et il va s'arrêter et mémoriser la carte du dessus, et la mettre dans le milieu du jeu. Et en parlant, moi, ce que j'aime bien faire, en fin de compte, je coupe le jeu comme ça. D'accord? Mais là, pour les spectateurs, je mélange le jeu. Pourquoi? Parce que couper, pour une personne, c'est ça, couper. D'accord? Et là, le fait de faire ça, bah, c'est comme si je mélangeais à la française, mais je coupe. Et donc, j'aime bien faire ça pendant que j'explique ce que le spectateur va devoir faire. D'accord? Et au bout d'un moment, je pose le jeu, quand j'ai bien fini de tout lui expliquer, et je lui dis, allez-y, coupez le jeu le nombre de fois que vous voulez. Et donc là, il coupe le nombre de fois qu'il veut. Il s'arrête ici, par exemple, il regarde la carte du dessus. Donc c'est une carte qui arrive vraiment au hasard. Vous pouvez très bien la regarder, il n'y a pas de souci. Et vous dites, voilà, vous avez choisi la dame de pique, vous allez l'insérer vers le milieu du jeu. Donc en fin de compte, il faut l'insérer après la dame de pique, c'est-à-dire après ce montage de 18 cartes.
C'est pour ça que le fait de dire de l'insérer au milieu, vous êtes sûr que ça marche, d'accord? Si la personne insère avant les 18 cartes, vous êtes fichu. Donc voilà. Donc normalement, en disant ça au milieu du jeu, le spectateur insérera toujours la carte après la 18e carte. Donc le spectateur insère sa carte. Et là, ce que j'aime bien dire aussi, j'aime pas dire tout de suite, voilà, je pense que votre carte est en 18e position. J'aime bien poser la question aussi au spectateur. Pourquoi? Parce que imaginons, il vous dit 18. Alors là, c'est la totale, quoi. Vous faites un véritable miracle, d'accord? Et donc, on ne sait jamais. Vous avez une chance sur 52 qui vous disent 18. Et par exemple, si vous dit 22, bah vous, comme vous savez que c'est 18, vous dites, bah vous étiez pas très loin. Il n'y a que moi qui sais exactement la position de la carte, puisque je suis le magicien. Et vous dites, je pense que votre carte est en 18e position. Et là, vous laissez faire le spectateur, vous lui mettez les cartes en main, il les prend en main. Et ça, c'est bien à ce moment-là, parce que vous dites à votre spectateur de compter 18 cartes face visible, d'accord? Et le fait de les mettre face visible, bah déjà, il va avoir 18 cartes totalement différentes, d'accord? Et il ne verra pas une autre dame de pique, puisqu'on sera dans le montage, d'accord? De 18 cartes. Donc, il va compter face visible. Et là, il n'y a aucune carte qui va se répéter, de toute façon. Pour lui, on a un jeu normal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et là, vous dites stop, je vous avais dit la 18e position, dame de pique. Il retourne, dame de pique, 18e position. Et là, je vous promets, l'effet, il est assez fort. Hein. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé. Je vous fais pas un autre exemple. Vous avez très bien compris. Donc, c'est un tour que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup le principe. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour de cartes. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tours de magie. Merci à vous. À très bientôt.